te vois plus d'émurge. On peut commencer à progresser. Ah putain! Si tu veux. Ouais. Non. Redémarre. Redémarre, putain, redémarre. Non! Putain! Ah, bah je pense que je vais faire commande en vu le nombre de personnes qu'il y a. Commandant, pas commandant? Oui, affirmatif. Ok, là notre objectif est de libérer Saint-Philippe. Au sud de Saint-Philippe, il ne faut pas y aller. Des indications cartes vous ont été faites. Vous ne devez pas dépasser cette ligne. Information. Nous combattons principalement les Russes, mais nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait de la FIA qui rentre en jeu. Les Russes se sont fortifiés dans Saint-Philippe et souhaitent faire en sorte à garder coûte que coûte cette ville. Donc, à tous les coups, vous tombez sur des mines, des pièges au niveau des portes, et des mitrailleuses là où vous y attendez pas, comme des fenêtres stratégiquement bien placées. On ne sait pas, par contre, s'ils ont demandé des blindés. On ne sait pas s'ils ont demandé des hélicos. On ne sait pas combien ils sont. Je vais avoir besoin d'un pilote confirmé. Est-ce qu'il y a un pilote qui peut faire un pas sur le côté et rejoindre ici ? Je n'aurais pas foutu la merde dans les infos, pilote, mais pas confirmé. Et pilote comment? Plutôt style kamikaze japonais ou... Oh. Et si. Ou plutôt suisse? Les forces aériennes suisses n'étant disponibles qu'à partir de 8h du matin. Je sais pas comment ils font les Suisses. Mais... Oh ouais, parce que c'est pas encore 8h, hein. Ouais. Bon. Je t'invite à patienter pour le moment, les hélicos. Ouais, on va patienter. Voilà, donc la squad Bravo va partir pour l'assaut du port. Ici, la squad Alpha en plein centre, et Charlie ici, et moi je serai en hélicoptère. Bonsoir, c'est Ragboy. On se retrouve ce soir avec une mission improvisée. Je serai commandant et on va être en hélicoptère vu du dessus pour essayer d'avoir une belle vue. Parce que du coup, mes touches ont été modifiées, je ne sais pas pour quelle raison. Tu veux que je descende plutôt là? Tu me rassures pas à me dire ça. Hein. Non, mais en fait, quand j'ai sur le serveur. Je vais brancher ma manette. Et tu peux prendre le contrôle en plus. Tout à fait. Depuis peu, effectivement, en tant que copilote, on peut prendre le contrôle. Ok, manette branchée. Personnage véhicule. Alors, vas-y, fais tes réglages, après je te donne le plan de vol. Ok, le plan de vol, c'est une altitude de facilement 300 mètres d'altitude. Donc on va être très haut. Ambitieux, ça va. Comment ? C'est très haut, ouais. Oui, c'est très haut, mais je veux pas prendre de risques. Les guns en dessous ne descendent pas des masses, donc si tu t'attends à un soutien, il faudrait que je descende. Ah non, mais on va faire de la reco, j'ai pas prévu de tirer. Ok, ça marche. Surtout qu'en plus, il me semble que je peux. Si je peux atteindre. Je peux atteindre un siège passager. Ah oui, je peux. Ouais, ok, bon. Mais c'est pas du tout mon idée. Comme tu le souhaites. Donc 300 mètres d'altitude. Dans un premier temps, on va commencer haut. On verra si on descend ou pas. J'ai fait des expériences hier. Les IA ont tendance à vider leurs chargeurs sur nous. Ce qui fait qu'après, bah, pour les gars au sol, ils affrontent des IA des ennemis qui n'ont pas de chargeur. Ça peut être pratique. Bon, dans un premier temps, on va pas s'exposer, on va partir sur la baie des Bouleaux et on va surveiller tout ce qu'on peut voir. D'ailleurs, il faudra se dépêcher parce que ils sont déjà en route. Allez, vas-y, okay, c'est parti. Tu me fais un départ propre, hein. Tu utilises la taxi web, ouais. Pas dégueulasse. Hein. Ah bah ouais, non mais on est en 1000 sim. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, je suis pas utile de le faire, j'ai pas de mytho. Ah bah ouais, mais... Hey. Pas qu'il passe par les taxis web. Hein. Voilà, en douceur, tu vas prendre ton virage tranquillou. Oh non! Attends, tu vois, on se fait déjà engager. Donc quitte la zone. Ah, je peux pas voter pour toi. Ouais, tu vois, regarde. Beaucoup plus haut, hein. Va falloir vraiment monter plus haut. Je te vois plus d'émurge. On peut commencer à progresser. Ah putain! Si tu veux. Ouais, puis allez, on se va en voir.
Non. Redémarre, putain, redémarre. Non. Putain. Mais putain. Non mais attends, tout le monde essaye de voter pour Demurge, je cherche Demurge. Demurge a eu un problème. J'essaye de reprendre les commandes, je chope ma manette, j'essaye de relancer le moteur était à l'arrêt, et pff, on s'est écrasé. Non, mais il y en a un qui a voté pour l'exclure, moi j'ai suivi, moi je pensais que c'était bon. Bah il a pas voté pour le mettre en tant que GM, ils ont voté pour l'exclure. Vu que tout le monde a vu le premier vote, ils ont tous le suivi. Donc je me suis retrouvé sans pilote. Quand je m'en suis aperçu, j'étais en train de perdre de... Et j'ai essayé de relancer le moteur, et le moteur n'a pas été relancé à temps. Quand je voulais profiter pour aller pisser, bah je crois que c'est mort. Ok, voilà, on est bien. Je veux... Mais j'ai du mal à prendre de la vitesse. Pas grave, c'est pas grave, on a tout notre temps. On a tout notre temps. Non, mais va pas trop vite non plus. Ok, je te laisse zioter, moi je m'occupe du pilotage. Ouais, voilà, tout à fait. Tout à fait, ok, là je vois un mec en plein milieu de la route. En tout cas, au niveau du phare, c'est bon. Ah si, il y a un mec qui est... Ok, d'accord. Fais un demi-tour sur la droite. Ouais. Et pas trop loin, hein, parce que je veux pas qu'on aille au point où il a mis une tête de mort, là. Hélico et à pied, c'est le même, tu penses? Ouais, bien sûr, sinon il aurait pas mis des hélicoptères et un point dans l'eau. Donc surtout, ouais, ne va pas là-bas. On est à 800 mètres, là, du coup. Ouais, remonte un peu. Je vais essayer de passer sur le siège là-bas, passager. Je vois pas grand chose en fait là, d'ici. Si, je vois très très bien, je suis même totalement exposé. Allez, je vais... Putain, ouais. Ok. Ok, je fais un tour à gauche. Ouais. Commandant, pour Bravo, je vous confirme que j'ai vu un Pax au niveau du phare, donc malheureusement vous allez devoir y aller tout à l'heure. Ah, par contre, je l'entends très très mal, pause. C'est vraiment dommage. Non, on est peut-être loin avec les... Non, faut pas exagérer, non. Ah oui, on est avec les courtes portées. Ok. Ouais, c'est très bien, hein. Continue comme ça. Je remonte un petit peu. Ouais. Ok, virage à droite. Ouais, virage à droite. Bon, là j'ai rien vu de spécial, on prend des tirs, mais... Putain, mon bonhomme est ultra souple. En plus, c'est pas beau ça. En plus, oui. Alors que tu prends des virages qui font bien peur. Oh, la peur n'évite pas le danger. Ah, je vois rien. Ok, on va retourner au niveau de la piste d'atterrissage, s'il te plaît. On va faire une autre approche, un autre vecteur. On va... Ouais. Mais cette fois-ci, on va effectivement continuer la piste d'atterrissage jusqu'au bout. Toujours en altitude. Et... Voilà, c'est parfait. Je suis sur le côté droit. Je suis 1 km 100. Commandant, pour Charlie, est-ce que vous avez commencé votre entrée dans la ville? Négatif, nous nous sommes fait prendre la partie par les Russes et par la FIA. Ah, merde. Vous êtes dépassé ou pas? Va pas trop vite. Prête. Ok, il y a un barrage au niveau du pont, il y a un autre barrage ici. Je tourne. Ah ok, le camp, je l'ai vu. Non, pas à gauche, tourne à gauche. Okay. Surtout pas au-dessus de la ville, surtout pas. Ouais, fais un break. Break rapide, ça veut dire que tu casses le rythme, tu fonces vers le bas. Ouais, voilà, c'est, parfait. C'est ce que j'ai fait. Oui. Génial, c'est génial, Demurge. Ok, alors attends, je vais leur dire. Ok, je remonte.
Dragboy, pour Alpha et Charlie, je vous confirme que vous aurez des barrages routiers sur les ponts qui se trouvent en 044 108 et 045 108. Vous avez plus ou moins au sud ou au nord de ces routes-là, vous aurez des barrages routiers qui sont positionnés avec des sacs de sable. C'est bien pris. Volontairement, je ne mets pas de points sur la carte, c'est à vous de les mettre. Hein. C'est bien pris pour Charlie. Les dernières transmissions pour Alpha, c'était H. Ok, commandant, pour Alpha et Charlie, vous aurez des ponts, des barrages routiers en 044-108, 045-108 sur la route. Sur la route, c'est des ponts avec un canal qui passe en dessous et vous aurez des barrages routiers. Ah, on prend des balles. Ok, ils ont bien. Ah. Ok, commandant pour Charlie, troisième et dernière fois, dites à votre escouade de se taire, je vais vous le répéter tout de suite. Commandant pour Charlie, je vous confirme que vous aurez un barrage routier sur la route principale de Saint-Philippe, une route en bitume qui est en 045 108. Il y aura un barrage routier sur un pont, un petit pont, qui un canal en dessous qui mène à la mer. Dans tous les cas, c'est en plein centre du 045 108, un barrage routier, potentiellement des hostiles, mais en tout cas un barrage routier. Allez, cette fois-ci, je reprends mon observation. Voilà, ça c'est une bonne vitesse, ça, des murs. Je tiens à combien? Combien de nœuds? Attends, je cherche le cadran, je l'ai oublié. Il y a écrit Knocht dessus. Ouais, je cherche. Knot, je suis à balade, j'arrive à 120, du coup j'ai tiré comme un goal, mais j'étais à peu près à 80 ouais, quand tu me l'as. Ouais, 80 c'est très bien. Ok, break à gauche. Attends. J'arrive vers les têtes de mort là, je dois tourner. Ouais, ok, tourne. Ok. Bon, la base principale est comme d'habitude au même endroit. Commandant à toutes les escouades, nous avons repéré l'hôpital de campagne et une pseudo-base ennemie. Prenez coordonnées en 045 106 pavé numérique 2, c'est-à-dire le sud, le dessous de cette case-là. 045 106, la base ennemie se trouve là, au nord de usine. Rack, tu m'entends ? Oui, je t'entends, toujours. Les pavés numériques, on n'utilise pas ça. Je sais. Je sais. Ceux qui connaissent pas en fait. Bah ils vont apprendre. Mais justement c'est pas la mentalité du serveur, c'est pour ça que je te le dis. Ah, ne pas apprendre? Attends, t'es sérieux là? Tu es en train de dire quelque chose? C'est pas ne pas apprendre, c'est qu'on se focalise tous sur le même. Et on commence pas à faire à gauche, à droite, utiliser 36 solutions. Sinon, non mais je sais bien, mais enfin tu vois que je vais dire 1.9, 1.5. C'est ce qu'il faut dire, oui. Ouais. Bah écoute. Tu sais, quand tu fais 13 ans de ça, ah mais je, du jour au lendemain, c'est compliqué. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, c'est comme ça. Si ils n'ont pas compris, ils me le diront, non? Oui, bien sûr, je suppose en tout cas. Commandant à toutes les escouades, vous avez bien pris où était le commandant ennemi? Je refasse un tour par le port. Non, pareil que ça, s'il te plaît. Okay, et pour Alpha et Bravo. Alors moi je vais aller boire un peu parce que j'ai très soif. Vas-y alors. Aucun renfort disponible. La base se fait survoler par un hélicoptère russe. Ah putain, sérieux. On se mitraille les gars, allez. Ouais, ils peuvent pas nous toucher à cette distance. Un rebond, j'ai pas encore fait beaucoup de tests en tant que GM pour tester les nouveaux. Non, c'est la méthode Coué. Plus tu le dis, plus tu crois à ce que tu dis. Il y a encore des hélicos russes, messieurs. Alors t'as une balle qui est traitée juste à côté de toi, je te promets. C'est bien ce que je dis, il me touchera pas. Vas-y, pareil, je suis invincible. Oh, on peut l'allumer, on va le faire. Ouais, bon, on va le faire.
puisque même avec du 156, tu traverses. Pour l'instant, je l'allume avec du déni et du mépris. Il y a deux solutions. Ou on se dérange, ou on méprise. Ok. Comment ça, je suis pas fini, moi. Allez, messieurs, vous montez, chacun une mitrailleuse. Ah ouais. On va allumer cette putain d'hélicoptère russe et. Alors bien là. Et après, on vous dépose, c'est clair. On peut faire feu en boy ou pas? Pas au sol, pas au sol. Six coups. Oh là, je l'ai tellement vite. Allez, vas-y, vas-y, feu alors. Le stationnaire. T'arrives pas à désactiver ton stationnaire? Non, je n'arrive pas à le désactiver. Ok, alors attends, je prends les contrôles 2 secondes. Voilà, c'est désactivé normalement. On prend les contrôles. Le problème n'étant pas que je veux faire avec, c'est que je veux pas faire avec. On est en train de s'occuper de l'hélicoptère en... Là, tu me fais un départ d'assaut, hein. On s'en fout du taxi, ouais, on s'en fout de tout, là. On est pris sous le feu. L'important, c'est de survivre. Ok, j'ai besoin d'un azimut. Il est pour toi, là, c'est cool. Direction. Il faut... Messieurs, faut vous parliez à gauche. Ok, il est à nos 11h. Okay. Survole pas la ville, s'il te plaît. Et s'il va trop au sud... Oui, 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 t'inquiète. On part à sa charge, à sa poursuite. Voilà, ça c'est très bien. Que tu sois plus au plomb. Un demi-heure, j'ai entendu. Ouais, je sais pas. Il s'est barré. Ok, on laisse. Ah non, non, il revient, il revient. Ok, pars en crabe. On est en train de secouer l'hélicoptère et on n'avance pas trop vite. Fais un break à gauche et le tireur de gauche va tirer. Est-ce que c'est bien clair? Tireur de gauche, tu vas tirer, Siku. Je crois que c'est toi, Siku. Ouais, ouais. Gosmo, je sais plus. C'est moi. Ok, normalement, tu dois l'avoir. Direction port, direction port au-dessus de la ville. Port au-dessus de la ville. Break un peu à gauche encore, s'il te plaît. Là, il a plongé, il a plongé. Émurge. Allez. Des flèches sur le niveau du port à l'ouest. Il a fait plouf. Alors qu'un vecteur d'espace n'est pas non plus une flèche à plus de 20%. Il a fait plouf, c'est cool. Je suis actuellement Je sais pas, il a baissé d'altitude rapidement, je sais pas. J'ai ok, pas fais un passage port comme on fait d'habitude, s'il te plaît, Dimurge. C'est cool, s'il te plaît. Reste à cette altitude là, s'il te plaît, ce sera parfait. On voit plus rien là. Comment pose, qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne peux plus pas mon escouade, s'il te plaît. T'as perdu ton escouade? T'as failli? Non, je n'allume pas, s'il te plaît. Vu qu'on mange la plage là. Non, non, t'inquiète. Non, non, on ne tire que sur ce qui vole. On ne tire pas sur ce qu'il y a au sol. Ça, c'est pour les fantassins. C'est pas lui qui m'en manque, hein. C'est pour les piétons. Ça va, les sacs à vomi sont pas remplis. Il s'est posé où l'hélicoptère? Vous avez vu un museau? Non, justement, on comptait sur vous. Il a disparu. Ok, bon, bah, tu vas poser les hommes au bout de piste. Ouais. Au bout de la piste. Un peu plus, un petit peu plus bas de le bout de la piste. Ok. Merci Freelancer, merci beaucoup, ça fait plaisir. Vas-y, tout doucement, bout de piste, tu fais un vol rasmote, un vol tactique, donc à moins de 50 mètres d'altitude. Tu... Ouais, bout de piste un petit peu à droite, je dirais à 50 mètres à droite dans le champ jaune. Du coup, Siku, tu confirmes, on temporise un peu avant d'attaquer le point du général. Ouais, bien sûr. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on se mettra en position... Mais en fait, on verra bâtiment. Est-ce que tu penses que tu vois le champ jaune là, à droite, là, en bas, en face de nous? Franchement, fais au mieux parce que je pourrais pas te dire. Non, Dimurge. Bon, seul, messieurs. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas le bon endroit, mais c'est pas grave. Ah oui, tu m'entendais pas, Dimurge? Non, je t'entendais pas. Ah merde, ouais, c'était le champ jaune que je voulais. Bon, c'est pas grave. Ah, my bad. Non, non, c'est ma faute. Je break à gauche, sur le point de l'altitude. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai que des problèmes de live, c'est vraiment merdique. Hein. L'application elle fait que merder. Voilà, voilà, on se dilue, on est parti très loin, on ne nous voit plus. Très bien, maintenant à partir de maintenant tu peux prendre de la hauteur et de l'altitude et on va revenir sur zone en étant très haut.
d'altitude, là, histoire d'être bien. Ouais, 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 vas-y, je sais pas, ouais, 700, 800 mètres. Hein. Ouais, je viens de passer les 700. 750. 800. 900. Allez, on s'arrête au kilomètre. Ok, 900. Ok, j'ai pris mon siège gauche. Je suis à ta gauche. Côté port, je suppose. Oui, côté port, ouais, tout à fait, merci. Oui. Ok, c'est bien, je vais taire. Allez, vas-y. Ouais, je vais essayer de faire ça. Pas trop trop vite non plus. Essaye d'être bien haut, comme ça la tour elle ne pourra pas nous tirer dessus, elle aura pas assez d'élévation. J'essaie d'avancer en crabe. Ouais, avance encore un peu, parce que j'ai pas d'axe là. Encore. Avance encore, avance encore. Ok, c'est bien pris, on fait un repérage. Il y a rien. Je vois pas. Moi non plus. Je vois pas. Ok. Le commandant a fait un passage sur zone, on n'a pas vu le BTR au point indiqué sur cette carte. Il n'est pas en BTR croix rouge sur carte, donc à donner les coordonnées. C'est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'aéroport qui est mort? Ouais, il y a du monde. Ok. Pose-toi deux secondes à l'aéroport, s'il te plaît. Juste là, ouais. Là, tu peux faire un posé d'assaut, hein, direct. Ouais, ça marche. Okay. On est quand même assez proche. Hôtel unité en approche pour poser d'assaut. Requiert la piste dégagée. Arrivé vecteur sud-est. État-major, ici S Bravo, nous avons le BTR au niveau du point de ravitaillement, là où nous sommes. Ah merde. Quoi? Ok, c'est bien pris, on va essayer de détacher des hommes pour prendre des Humvee pour vous rejoindre, mais on va essayer de faire un passage aussi à l'hélicoptère. Oui, mais BTR sur port. BTR sur port. C'est pas ce qu'on a. Ok, c'est bien pris, BTR sur port. Tu m'entends pas quand je parle à la radio? Du tout. Si, mais du coup je... Ok, le BTR est sur le point de supply. BTR point de supply. Voilà, donc ils peuvent pas libérer le point de supply tant que le BTR est pas tué. Merci. Allez, je vais essayer de mettre des mecs dans un vie. Abrax, tu viens avec moi s'il te plaît, on va dans l'écho. Diemurge, on y va? Oui, monsieur. De commandement pour toutes les escouades, on reprend l'hélicoptère, on va essayer de faire un passage avec la mitrailleuse. Un Humvee normalement arrive sur le squad, sur la squad Bravo avec pour essayer de tirer sur le BTR. Comment ça se passe pour Alpha? Alpha, actuellement on est toujours sur notre point maison en 044.609. Oui. On attend là que BTR soit que côté des fois que Bravo ait besoin de soutien. Okay. Si vous n'êtes pas visible du BTR, continuez votre CQB vers le sud. Hein. Ok, c'est bien pris, mais parce que là Bravo voulait qu'on se regroupe à un moment donné pour faire un attaque commune sur la base ennemie. Ouais, mais elle est loin, elle est à peu près à 300 mètres de vous, la base ennemie, pour l'instant. Donc le seul intérêt qu'il y aurait, c'est si vous aviez des médecins et eux n'en avaient pas. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc continuez votre CQB vers le sud, d'accord? Et supprime-moi les points qu'il y a sur la carte, là c'est dégueulasse, il y a deux points BTR. Ok, super. Abrax, t'es là? Affi. Ok, super. Les tireurs, par contre, tu ne tires que sur ordre, c'est bien clair? Affi. On a des chances de se prendre des tirs de... Ah, oh, putain. 6 coups, stand-by. On va donc décoller, là, et on va essayer de traiter un BTR qui est sur le port. Donc, pour l'instant, c'est moi qui vais être en visibilité. Du l'axe par rapport à ce que va faire
Demurge, notre pilote, et après il va faire un retour arrière, il va reprendre la direction du nord. Là il va vers le sud, je vais pouvoir tirer. Toi tu vas mettre la deuxième couche, est-ce que c'est compris dans le sens de ce que j'ai dit? Au retour, chacun okay. De son côté. Voilà, là il va vriquer à gauche, voilà, il va prendre par la mer. Et après, il va descendre vers le sud. Je vais tirer ce que je peux. Et toi, ce sera ton tour pour le retour. Ok, je prends ma com radio. Commandement pour Alpha et Bravo et Charlie. On va se mettre en position pour faire un tir sur le BTR qui est au niveau du supply. Planquez-vous. Je vous prends votre com, si vous, je vous écoute. Bravo, bien reçu. Nous sommes dans le hangar qui est marqué position. Bravo, est-ce que tu veux que nous en position? Tant que vous mettez pas votre nez à la fenêtre, ça ira, parce que ça risque de ricocher, hein. C'est de la M60. Dis-moi si toi t'as déjà un visuel, Demurge. Va pas trop vite. Visuel deuxième grue. Deuxième grue. S'il a pas bougé, je sais qu'il était dans l'axe principal. Ah, il est près d'un container, ok. J'ai rien du tout là, je peux pas du tout. Ok, c'est à ton tour, Abrax. Waouh, on prend des tirs. Allez, vas-y, Abrax, dis-moi que tu l'as. Je descends. Honnêtement, je vois que Abrax, pour toi. Il est au niveau. Ouais, bon. Je veux voir, range. Là, j'ai les maisons. Niveau de la deuxième grue, mais c'est pas grave. Ah, ouais, ok, je rentre. Putain, ouais, j'ai vu. Il est au dernier moment. Ok, est-ce on refait un passage. Un Razmod ou tu préfères une hauteur? Non, je préfère une hauteur parce qu'en Razmod, sa tourelle pourrait nous allumer et vu ce qu'il balance comme tir, comme type de munition, on sera troué comme du gruyère. Charlie à l'écoute, BTR au niveau de la deuxième grue, je vous écoute. Ouais, du coup, on a neutralisé le BTR qui est en flamme là. Il est neutralisé et en flamme. Bon, bah parfait. Bah, c'est pour ça que c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça que je les voyais pas. Okay. Pour moi, il était en flamme, quoi. Ce que je voyais, c'était en flamme en tout cas. Je confirme, j'ai vu aussi mes visuels BTR. Ok, bien pris, bravo messieurs, bravo pour le tir. Vous pouvez continuer progression. Voilà, elle a explosé là. Là, c'était lui ça. D'accord, mais c'est curieux que quand t'es passé et que tu l'as vu, tu m'as pas dit qu'il était en flamme. Où ça? C'est dans la zone interdite. Zone interdite, merde. Ah, il y a un sniper sur le phare, on peut peut-être se le faire à la mitrailleuse là. Ah oui, qui tout à l'heure, quand tout à l'heure j'étais dans la Bravo, il nous embêtait, ouais. Bon, on va l'exploser. Okay. Bravo messieurs pour le BTR traité. Bravo, ils ont traité le BTR. Ok, donc ils ont traité le BTR. Il y a une escouade qui va reprendre un MV qui va aller chercher le supply. C'est vrai que j'avais complètement oublié cette histoire de supply. Tu peux te poser à la rigueur qu'on puisse les prendre le supply ou pas? Tu te posais où? Au niveau du port, là où il y avait les grues. Faut que je fasse un passage. Mais ça dépend, il est où le supply précisément? Bah, entre les deux grues. Ouais. Entre les deux grues. Tu fais un arrivé là, passage bas, voilà. Et t'arrives un peu trop vite là. Ouais, non, je suis bien, mais là c'est le repérage. Ok, c'est bien pris. Je te laisse faire. Je suis 41, mais le problème c'est qu'on va se faire tiquer depuis là devant moi, depuis la berge. J'ai peur qu'on soit tiqué pendant qu'on prenne, s'il te plaît. Moi j'ai confiance en toi. Mais moi non. Ah, Brax, t'as confiance en Demurge? Bien sûr. Bon, et ben voilà. Tu veux quelque chose sur la plage? À part le sable, non. On se fait tiquer là, en l'occurrence. Là, on se fait tiquer, oui, je suis d'accord. C'est pour ça, il faut que tu. Tu pouvais arriver par la bouée rouge qu'il y a sur le nord, là, en étant en basse altitude. Et effectivement, tu fais un vecteur est. Voilà, tu vois, déjà, on se fait moins tiquer là. Ralenti. Allez, voilà, on est pas mal là. À gauche, on est loin de la grue, donc c'est nickel. Pas trop, non. Ah, ailleurs, passe en stationnaire. Mon stationnaire est bugué, poulet. Ah oui, merde, putain. Attends, j'arrive.
Non mais laisse tomber, j'ai l'habitude de faire ça, j'aime débrouiller ça. Ok. J'ai juste peur que si je me pose, ok, un petit peu à droite. Non, mais si tu vas un peu à droite, c'est bon, il y a de la place. Ah, Brax, il y a de la place à droite. Ouais, t'es large. T'es large à droite, hein. Là, tu t'emmerdes avec le container Starline, là, mais tu peux aller plus à droite, hein. Il y a le Humvee qui arrive, allez, vas-y, avance. Voilà. Là, il y a le Humvee. Ouais, mais t'inquiète. Voilà. Avance encore, tu vas être sur les bits. Non, c'est bon. Ok, je descends. C'est parfait. Tu t'es posé parfaitement. Sauf que j'arrive pas à sortir. Ah si, ça y est. Je peux avancer. C'est du free. Non, on est bien. Bouge pas. Allez, comment on emmène ça, là? Attends, j'essaie un truc. Je sais pas comment on emmène tout ça, moi. Normalement, il y a un petit panneau. Ah bon? Ouf, 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 ouf. T'es sûr que c'est ça le supply là? Je sais pas, ça me semble bizarre. Ouais, moi aussi, hein. Et pas les mêmes panneaux que d'habitude, hein. Affirmative, du coup, donc, avant de sécuriser le sud de la ville, on va d'abord taper ce point là et après on... Tout à fait. Je vais te mettre un point sur la carte où j'ai envie que tu sois. En forme de fesse, le point. Tu es vert. Donc c'est bravo, tout à fait. Donc hop, voilà. Tu vas aller jusqu'ici et avec les autres équipes, vous allez vous coordonner pour attaquer le sud de Saint-Philippe où il y a une base ennemie et l'usine où il risque d'avoir beaucoup de méchants. C'est bien clair? Normalement, les bâtiments ont été sécurisés. Je te fais un call dès qu'on est sur place. Ouais, et j'ai envie de te dire, moins tu rentreras dans des bâtiments, moins tu auras de mine. Ouais, mais vu qu'on doit quand même faire toute présence russe, apparemment, quand on a dit tout, on a dit tout. Pause, je te laisse monter dans le camion et y aller. Ils t'attendent. Allez, bon courage, messieurs. Merci. Vous en prie. Bravo dans le camion, messieurs. Ça me plaît bien d'être commandant. Allez, Abrax, tu vas avec eux? Un peu de combat? Vas-y, vas-y, va où? Je t'en prie. Merci, pilote. Bon courage. Bah, il est parti. Ah ouais, j'ai cru que c'était le pilote. Merci, c'était cool. Ouais, je vais y aller aussi, hein. Ouais, t'étais en train de t'équiper là? Détonateur ou juste les pains de C4, ça sert à quelque chose? White? S White? Ah, pardon, j'étais en mute, autant pour oui, moi. Pas de soucis. Il n'y a pas 36 000 équipements ce soir et on n'a pas beaucoup de supply. Donc si tu veux repartir, ouais, c'est tout de suite dans le camion qui est là-bas là. Ok, il y a un loadout précis ou pas? Il n'y a rien du tout. Tu prends ce qui t'a été donné, tu prends ton pactage et tu fonces là. On est en combat là, de proche. Allez, vas-y, bon courage. Et n'hésite pas à te faire connaître au nom de Squad Leader Pose ou de Siku. D'accord? Non, je vais aller avec Pose, je vais aller l'embêter. Il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Beaucoup, beaucoup de monde. Soyez cool sur les communications, messieurs. Respect et force. Putain, il y a un autre hélicoptère. Foncez, descendez-moi cet hélico. Ben voilà les mecs, voilà, c'est ça que je veux voir ça plus souvent. Allez, ben voilà, c'est bien. Allez, let's go les mecs, vous foncez là. Bonne soirée. Voilà, la soirée se termine comme ça, j'ai été commandant, c'était inopiné, improvisé, on est un jeudi soir, on est en live évidemment sur Twitch. J'ai géré des escouades, trois escouades plus un hélicoptère, il y a eu des réapparitions, on était en illimité. Hein. Ce soir, comme je le dis hein, depuis le début, mercredi on a eu le patch 1.2, cette fois-ci on est juste le lendemain, donc il y a zéro mode encore disponible ou qui fonctionne bien. Il y a principalement des crashs sur tous les serveurs que j'ai pu croiser, donc certains se sont peut-être débrouillés mieux que d'autres, mais en tout cas voilà, nous on est content, moi je suis content parce qu'on est en vanilla et ça fonctionne bien. Et j'arrive pas à monter. Ah si, quand même.
Voilà. Donc c'était sympa pour le petit tour d'hélicoptère qu'on a fait, la coordination des équipes. Malheureusement, on réattaquait Saint-Philippe qu'on avait déjà fait dans une mission que vous avez déjà vue qui s'appelle Rising, qui est les civils prennent les armes. Donc j'ai repris le même plan d'attaque. J'ai vraiment pas cherché à faire autrement que prendre le même plan d'attaque, sachant qu'en plus les méchants étaient placés bas dans le sud. Donc on a attaqué par le nord jusqu'au sud. Donc voilà, pas de chichi, quand une attaque fonctionne bien, une tactique fonctionne bien, on la refait. Après on peut se casser les dents dessus. Voilà, allez, sur ce, on se laisse là. J'espère que la mission vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, à vous abonner. Ciao ciao, à la prochaine.